Bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième stream ici sur Twitch. C'est sympa, en tout cas hier, très bonne expérience, très fluide et pas de bug, ça me change. Salut Miss, bienvenue, c'est top. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va continuer notre série de tutos cadeaux de fin d'année scolaire. Salut, Vanille. Ça fait bizarre de dire comme ça. Ça te va bien, c'est top. Bienvenue, bienvenue sur cette plateforme et dans mon atelier. Voilà, pour cette nouvelle version. Alors pour ceux qui regarderont en replay et qui découvriront, je suis Gaëlle Lambert, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, marque américaine de matériel de loisirs créatifs, essentiellement des tampons créatifs, donc pour le scrap et la carterie. Et puis j'adore vous accompagner dans votre créativité en vous proposant des tutos, des défis et ce genre de choses pour vous permettre d'aller plus loin dans votre créativité autour du papier. Voilà, donc aujourd'hui, troisième tuto de la série cadeau de fin d'année. On avait fait avant-hier une tasse, hier un porte-stylo et aujourd'hui on va faire un autre type de boîte, la boîte faux livre. Voilà, donc je vais passer tout de suite sur le plan de travail, comme ça je vais vous montrer, j'ai déjà à faire un petit retour en arrière pour vous montrer les précédents modèles. Oui, Vanille, en fait quand on arrive, tu vois que la suite du chat, c'est comme quand tu arrives sur un groupe Messenger pour la première fois, tu vois pas les premiers messages. Hop, voilà mon plan de travail et du coup voilà les anciens modèles réalisés, ici mes prototypes, donc la fameuse tasse qui sert de porte-crayon et ou de gourmandise, l'étui à stylo qu'on a fait hier ici sur Twitch. Du coup, j'étais partie sur du violet pour cette nouvelle série. Donc, j'ai une série en rouge et une série en violet. Donc, je vais vous faire découvrir ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachant que je vais réadapter les mesures. Hein. Là, c'est une fois de plus, c'est mon prototype. Je l'ai laissé brut de pomme. je vais complètement réadapter les mesures pour qu'on fasse le moins de gaspillage de papier possible. Vous savez que j'adore tout remesurer pour éviter d'avoir trop de chutes de papier. Bon, des fois, c'est inévitable. Mais il s'agit de ce faux livre. Voilà, qui va servir de boîte. Alors là, je sais que Miss va rigoler. Ou pas, mais ça va lui parler. Donc dans ce faux livre, on peut mettre des friandises. Ah, tu peux mettre du thé, tout à fait. Non, non, mais j'en ai profité pour pour mettre des Kit Kat japonais que je n'ai toujours pas goûté. Donc peut-être qu'à la fin du live, je fais une dégustation en direct. Voilà. Ce faux livre que je trouve vraiment super mignon. Ça, c'est clair qu'ils sont, immortalisés, mais ils vont être encore plus immortalisés quand je vais les goûter et qu'on va découvrir ma tête. Voilà, et du coup, ce que je disais, je vais devoir revoir les mesures, donc on va le faire. Ça va être un peu bizarre, ça va pas vraiment ressembler à un livre, mais c'est juste que j'aime bien ne pas gaspiller. Je vais le faire en format carré aujourd'hui. Alors, on dirait un livre carré, il n'y en a pas des masses. Mais c'est au moins déjà pour vous montrer la technique. Après, évidemment, vous adaptez à la mesure que vous voulez. Voilà. Est-ce que ça vous tente d'essayer en même temps que moi? Ou vous ferez en replay? Ou pas du tout, si ça vous plaît pas.
alors c'est pas tellement pour le contenu, hein, l'histoire du carré, parce que ce que je vais faire, je vais garder la même largeur de carré, donc ça laisse quand même suffisamment de marge, hein, je vais juste le réduire en hauteur en fait. Donc ça laisse quand même pas mal d'espace pour mettre quelque chose à l'intérieur. Oh purée, tu t'es levée il n'y a pas longtemps. Oh, c'est gentil. Ouais, ok, t'as encore la tête dans le derrière, quoi. En replay aussi, ça roule. Bon. Alors, je vais. Bah, si j'ai déjà mon fond, je vais vous mettre les premières mesures. Donc, pour la base du livre, ce que j'appelle la base, en fait, c'est la couverture. Hein. Tout simplement, toute la partie couverture. Dans mon modèle, elle est en noir. Et tout comme. Toi aussi, Vanette, tu viens de te lever. Bah, bravo, les filles. Mais vous avez mis réveil pour moi, je suis flattée. Alors, ce soir, non, j'ai tellement l'habitude de faire mes lives le soir, vous avez vu ça? Alors moi, par contre, j'ai vraiment aucun repère, hein, dans le temps, c'est terrible. Si ça se trouve, sans le live, vous y seriez encore. Donc aujourd'hui, on va repartir sur notre couleur violette. Donc je rappelle, la couleur, c'est Grappe Gourmande. Dans les familles de couleurs Stampin' Up, on a tout plein de couleurs assorties avec les encreurs, avec les papiers à motifs, etc. Donc, couleur Grappe Gourmande, je prends mon coupe-papier. Et alors, du coup, je vais mettre ma mesure là-haut. Ça gêne un peu quand même. Voilà. On va faire une base de 12 par 26. Alors là, je vais tailler à 26. Alors là-dessus, par contre, on aura un peu de chute, mais le papier uni, je trouve que ça se réutilise facilement dans d'autres projets, donc c'est moins gênant. Je taille à 26 et à 12. Non, du coup, ouais, si, c'est ça. 12, ouais. Parce que du coup, si je replie à. Faut que j'arrête de dire du coup. Si je replie à 12, ouais, ça me fait un 12-12. En paysage, je me trompe pas, comme hier. Oui, Myriam, tout à fait, tu peux le faire en tout petit et puis glisser un bijou. Ouais, tout à fait. Paysage, je marque un pli. Donc cette fois avec la lame claire qui fait les plis à 12 et à 14. Ce qui nous fait une tranche de livre de 2 cm. Voilà. Je récupère mon plioir en os et sur l'envers, sur l'envers de ma découpe, je vais aller écraser mes fameux bourrelets, comme j'expliquais. Sur l'envers de la découpe, ça crée un petit bourrelet disgracieux. Voilà, je suis en train de me demander si ma lame. Ouais, non, ça va encore. Et puis je vais marquer mes plis, donc je me mets du côté où j'ai marqué le pli, donc ça va créer un creux ici. Le creux devient la bosse. Et je mets un coup de pliloir. Voilà, ça pour le support de mon livre. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. On fera la partie déco après. Ce que je propose, c'est qu'on fasse l'impression faux livre ici sur le côté. Vous l'aurez compris, c'est hyper simple. Si j'écarte un peu, vous voyez bien. Il s'agit simplement d'accordéon de papier. Vraiment hyper facile. Et pour ça, pardon, j'ai un vilain chat.
Il vous faut 4 morceaux de 10 par 24. Et là, je vais prendre un papier blanc. Alors, pas forcément besoin que ce soit un papier très cartonné, parce que sinon, ça va être un peu difficile à manipuler. Hop. Et là, j'ai remanié mes mesures pour que, justement, on puisse faire sur une feuille, faire deux accordéons. Comme il m'en faut 4, j'ai que 2 feuilles. Alors que dans mon ancienne version, il me fallait 3 feuilles. J'ai déjà économisé une feuille de papier. Allez, je vais retailler 10 par 24. Donc là, hop, 24. Il faut que j'ouvre le bras du massicot. Ah, je vais peut-être d'abord tailler à 10. Comme ça, ça me garde la moitié d'une feuille à 4 entière. La moitié entière. Ça peut servir de base de carte après. Optimisation. Je retaille à 24. Et oui, en plus... ah non, je suis bête. De toute façon, je vais l'utiliser. Oh, mais dites donc, j'ai un peu du mal, moi, le matin. Pourtant, je me suis pas levée à 10h40, les filles. Je vais l'utiliser la deuxième partie en fait, donc ça change absolument rien de l'avoir taillé à 24 ou à 10 en premier. Voilà, je reste en paysage et je vais marquer des plis tous les 2 cm. Oh, je sens que ça va être bon. Alors, si j'étais à 24, je passe à 22, je marque un pli. Je passe à 20. Etc. 18. Je rappelle que si on a le massicot Stampin' Up, le 16, c'est au niveau de la jonction, là, l'ouverture du bras, juste à la limite du plastique, pour 16 cm. Là, le fait d'avoir fait tous les 2 cm, ça nous donne l'épaisseur de notre cadre intérieur. Hein. Si vous voulez le réduire un peu, je vais le mettre dans l'autre sens pour faire le dernier 2 cm. Si vous voulez réduire un peu cette largeur, c'est au moment du calcul de votre accordéon qu'il faut y réfléchir, quoi. Voilà, premier accordéon, je vais faire. J'aurais pu me préparer hors écran. Ça va être l'occasion de faire ça tranquillou. Je retaille à 10 par 24. Avoir préparé à l'avance, au final, ça aurait pu être parfait pour le faire en live avec moi. Ça laisse le temps de faire les marquages en même temps. Pour le replay, vous pourrez avancer. Hop là. Comme on dit, cette fois je retaille à 24. Vous êtes toujours là? Tout va bien? Est-ce que c'est fluide pour vous? Oui. Il n'y a pas de souci de lag ou quoi que ce soit. Impeccable. Impeccable, impeccable. Parfait. Pour moi, il n'y a pas photo. J'ai encore fait un test avant de l'autre côté. Et
enfin pas un test en live, mais suivre quelqu'un en live de l'autre côté, et c'était la cata, ça ramait pour moi, donc c'est vraiment la plateforme qui m'en veut en fait. Je vais finir par être blacklistée, enfin je sais pas. Un petit DR. Ah, je suis à combien là? 14, 12. C'est ça, je vais me jeter un œil partout et puis j'en perds mes petits. Clairement, pour moi, c'est bizarre de faire un live le matin. Mais au moins, j'ai pas trop chaud. Voilà. Oh, allez, on va faire les accordéons maintenant. Bon, je commence déjà par plier un sur deux dans un sens. C'est plus facile pour moi. Et après, dans l'autre. Comme ça, après, j'ai plus qu'à les prendre. Et de 1. Bon, sinon, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Vous avez... vous devez courir dans tous les sens aussi, ou c'est relax? Dites-moi tout. Là, on a le temps de papoter. Hein. Ouais, ils sont classe, hein, les accordéons. Tranquille, ah voilà, une bonne nouvelle. Pas de service. Ah, c'est vrai, Miss, oui. T'avais dit que c'était week-end avec un pont, mais qu'il faisait quand même musique. Bah, oui, il aurait tort de se priver. Peinture de la chambre. Comme Chachou. Non, Chachou, elle va détapisser aujourd'hui avec ses potes. Ça va être un bazar. Bien. Alors, me voilà avec mes quatre accordéons. Je vais peut-être enlever des trucs là-haut. C'est, voilà. Ça nettoie un peu l'espace. Alors, mes accordéons, ils ont les deux languettes extrêmes qui vont du même côté. Ça va être un bon repère. Si je serre ici, elles vont regarder les deux de ce côté-là, à gauche. Il va falloir que je les imbrique les uns dans les autres. Merci pour le bon courage. Ouais, je crois que ça va être épique. Et il faut partir du principe que les languettes, comme ça, qui regardent du même côté, vont regarder vers l'intérieur du faux livre. Donc si je veux faire un premier angle, je vais prendre celui-ci avec les languettes qui regardent vers le bas. Donc celui-ci regarde vers la gauche, celui-ci regarde vers le bas. Et je vais aller glisser les uns dans les autres en commençant par celui-ci. Et puis petit à petit, hop, aller glisser tout un briquet comme ça. Voilà, une fois que c'est dedans, je les pousse au maximum pour avoir un angle à peu près clean. Ce sera peut-être pas nickel, mais voilà. Et j'aurais peut-être dû prévoir une pince à linge en fait pour m'aider, parce que j'avais un petit peu j'avais un petit peu galéré à le maintenir pour le collage sans que ça bouge de trop. Est-ce que j'aurais pas un truc dans le coin?
Ah, et ça marche nickel, hein. Regarde. Bon, alors évidemment, c'est pas. Si on regarde, qu'on est pointilleux, qu'on regarde au millimètre, c'est pas super méga 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 propre. Mais franchement, pas mal, je trouve. Ça suffit largement. Et je vais coller uniquement la partie au-dessus et la partie en dessous. Donc là, point de colle liquide, parce que c'est ce qui tient le mieux dans le temps. Donc je mets de la colle ici au niveau du carré. Voilà, et c'est là qu'il faut que ça. Excusez-moi. C'est là qu'il faut prendre vraiment le temps de bien le maintenir. Tout con, hein? C'est tout con. Fallait juste y penser. Et de l'autre côté. Attends. Voilà. Vous pourriez prendre un scotch double face, mais j'ai vraiment peur que, en fonction de la qualité du scotch double face, ça finisse par se décoller dans le temps. Donc vraiment avoir une bonne colle. Parce que avec toutes ces pliures, là, ça met quand même de la tension dans le papier, si j'ose dire. Il faut vraiment que ça tienne suffisamment. Alors là, voilà, ça paye pas de mine, ça fait ça. Mais on va continuer avec le suivant. Hop, hop, hop. Je reprends de ce côté. Et puis, ce que je vais faire, celui-ci passe au-dessus. Peu importe en fait, puisqu'après je vais rajouter une déco. Je vais quand même le laisser passer par au-dessus aussi. Ah, faut rester zen en fait, hein, pour bien les glisser les uns dans les autres. Parce que des fois, on n'arrive pas forcément à viser tout de suite. Le plus délicat, ça va être le dernier. Le quatrième accordéon va être beaucoup plus pénible à faire imbriquer sans tout déformer, quoi. Voilà. Allez. Oh là là, c'est voilà, c'est là que c'est fun. Faut arriver à le tenir comme il faut. Et hop. Et là, je suis obligée de le garder un peu de travers pour aller l'imbriquer de l'autre côté. Ah, ça, c'est la partie la plus pénible. Voilà, j'ai réussi. Bon, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais. Et on colle. Là, je vais picoler un peu. Merci. Je tourne déjà à la célèbre marque rouge. Fin de matinée là, pour ma caféine. Caféine et fraîcheur. Voilà.
Là, ça, c'est fait. Alors, pour notre livre, alors de deux choses l'une, soit on y va direct et on laisse le fond violet. Café et milkshake ensemble? Ça, c'est bizarre. Alors, soit on laisse du coup le fond en violet, soit on rajoute du motif. Et pourquoi pas d'ailleurs, si vous offrez un bijou, ici peut-être mettre un morceau de papier blanc avec un tamponnage et un message. Ça pourrait être du bon anniversaire, bonne fête, etc. Smoothie. Nickel, fruits, lait d'amande. T'as choisi quel parfum? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de papier blanc pour le fond et puis je vais utiliser les tampons roseraies du bonheur. Je vais juste faire un tampon de fleurs dans le fond. Et il me faut un morceau, alors là, j'ai pas mis la mesure, mais il me faut un morceau qui fasse au minimum 7. Histoire d'avoir les bords qui sont masqués par le faux livre. Donc on va faire 8 par 8, comme ça je suis sûre. Est-ce que j'ai une chute suffisamment grande? J'ai pas l'impression. Hein. Il va falloir que je taille un nouveau morceau. Hop. Banane, fruits rouges. Sympa ça. Ça donne envie. Voilà, 8 par 8. Et je vais faire mon tamponnage. En couleur, j'ai pas choisi mon papier. Si, je crois que je vais partir sur les mêmes couleurs qu'hier, donc je vais rester sur ma couleur fleur de cerisier toujours pour faire une rose sur le fond. Il me faut un bloc de cette taille-là, je crois. Tu donnes grave envie là. Allez, une rose comme ça sur le côté, comme ça ici si on veut mettre un petit message, ça laisse un peu d'espace. Où est ma lingette? Lingette. Voilà, je vais aller d'abord coller ce morceau ici en plein milieu. Bon, comme j'ai prévu un petit peu plus de marge, je vais pas prendre de mesure, je vais faire à l'œil sur le milieu. Parce que 8 cm, c'était quand même suffisamment couvert par mon faux livre. Donc j'ai pas trop m'inquiéter. À l'écran, je me rends mieux compte. Ouais, on est pas mal. Allez, go, 8. Pardon. Je vais fixer ça maintenant ici. Peut-être qu'avant de fixer. Oui, non, je dis n'importe quoi. Avant de le fixer, mon accordéon, je vais préparer mes décos parce que je vais rajouter ici du papier motif et je vais avoir plus de facilité à le coller à plat, on est d'accord. Alors, je ressors ma collection Nuances du bonheur, la même qu'hier. La chute de papier que j'avais hier. Là, on est quand même plus dans les roses hein, par rapport à ça. Sinon, je pourrais découper dans mes bleus ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais une variante un peu plus rose et jaune où je reste dans mes bleus là par rapport à ça.
Ah, j'hésite. C'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Il y en a une qui me connaît bien. Ok, merci. En plus, j'ai le soutien de Vanille, donc c'est bon. Allez, je garde celui-ci. Du coup, il me faut un morceau de 11,5 par 11,5. Hop. Pour les motifs de couverture. Donc, il y en a un à l'avant, il y en a un sur l'arrière, et puis il y en aura un à l'intérieur. Donc, ici à l'avant, motif. Ici à l'arrière, alors à voir si on garde le même motif. Et puis un autre à l'intérieur. Je me demande si je ne vais pas prendre un peu plus neutre à l'intérieur en prenant une partie comme ça. Oh, j'aurais pas assez de papier là-dessus. Donc là-dedans, je vais faire les deux couvertures extérieures. En 11,5. Je vais quand même pas garder un petit peu de violet. Hein, pour pas qu'on dise que je prends que du jaune. Voilà, là j'ai mes deux carrés pour l'extérieur. Et puis je choisirai un papier plus neutre pour l'intérieur. Oh, ouais, ça le fait. Alors, hop, je déplie comme ça. Ce sera plus facile à plat. Je colle en laissant toujours cette petite bordure. Oh punaise, cette petite bordure de 2 mm autour. Heureusement que je suis encore colle liquide, hein, je peux encore bouger. Il va falloir que j'habitue les filles du groupe à venir sur cette plateforme. Je sais que c'est nouveau et les gens ont toujours prennent toujours du temps à changer de crèmerie. Tranquillou avec le café, c'est sympa. Ouais, alors ce qui change pas mal avec Twitch, c'est qu'effectivement... les gens viennent aussi beaucoup pour des moments détente, quoi, bien chill, profiter. Alors, je suis à la recherche d'un papier plus neutre pour mettre à l'intérieur. Ça, c'est trop bleu. Après, j'ai quoi? J'ai ceci. Ça claque pas mal, ça. Ça va faire trop jaune. Il y a du jaune partout. Je crois que c'est pour ça que j'ai craqué. Il y a beaucoup de live le matin. Il y en a qui font une matinale journalière, comme à la radio. Ah ouais. Oui, peut-être, ouais. Ouais. Bon, après, il faut se partager les viewers, quoi. Qu'est-ce que je fais, les filles? Je prends du violet. Violet sur violet, c'est dommage. Peut-être du bleu... Du bleu ou du jaune? Je suis à fond girly quand même. Hein. Je pourrais même carrément prendre la partie plus rose là. Jaune et rose. Regarde là, ça me fait un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Allez. Ouais, voilà. Hop. Merci. Je suis abonnée à un gars qui est devenu connu grâce à ça. Ah ouais, avec ses matinales. Cool. Et il fait quoi? Il fait du jeu? Ou juste de la papote? D'accord. Ah ouais, bah écoute. Il parle de tout. Nickel. Comme quoi.
Il y a de tout ici. Alors, je taille 11,5 par 11,5. Je vais aller couper ici jusqu'à 11,5 pour éviter d'aller couper tout mon papier. Je m'arrête à 11,5. Et puis, je vais tourner un quart de tour. Et là, je vais aller mettre en bas à 11,5. Et comme ça, je taille du bas jusqu'à ma marque. Hop. Et ça m'évite de tailler tout le papier. Il fait de l'humour. Ah ouais, ah, il est carrément connu, quoi. Et un peu sur les infos du net. Ah oui, c'est... Pardon, j'ai cru que c'était Myriam qui continuait. C'était une supposition manée. Allez, je vais coller ça dans ce sens-là, ça me plaît. Ah, tu me donneras l'info, Miss. Comme ça, j'irai jeter un œil. C'est toujours sympa. C'est vrai que moi j'aime bien, alors de plus en plus là depuis j'ai découvert Twitch, la vieille Bic qui vient à peine de découvrir, ou presque. Je mets des personnes comme ça qui bricolent, et je mets ça en fond, et je trouve ça sympa, quoi. Puis de temps en temps, elles abordent, c'est vrai que c'est souvent des filles, elles abordent des sujets sympas, et voilà, ça fait plein d'échanges. Ils sont vraiment beaux, ces papiers, j'arrête pas de le dire, je vais finir par les prendre. Mais écoute, fais-toi plaisir. Non, franchement, ils sont superbes. En fait, ce que j'aime bien dans ces papiers, c'est les couleurs super vives, super... Ça fait joyeux, quoi. Les jeunes ne regardent plus la télé, ouais. Moi, ça fait... J'ai très peu regardé la télé dans ma vie, j'ai toujours été scotché à mon ordi. Ouais, bah voilà, moi j'ai toujours été comme ça. Alors, pas sur Twitch, mais effectivement, je passe ma vie sur mon ordi. Au grand dam de mes parents, j'ai toujours été très accro. La première console de jeu, paf, il fallait que je les prenne. Enfin, voilà. Allez, je colle mon accordéon. Par contre, je joue très peu, quoi. Maintenant, j'ai plus le temps de jouer. Et je vais aller mettre ça bien centré, et là il va falloir que je passe la tête pour pas faire n'importe quoi. Je suis désolée, il faut que je mette ça bien au milieu. Bon, je pourrais, c'est quand même pas chouette hein, de voir ma tête comme ça. Je pourrais m'aider comme ça de l'écran, c'est pas mal. Ouais, je suis pas mal centrée là. C'est Junior qui m'a fait découvrir il y a plus d'un an avec un gars qui fait de la guitare, de la basse et plein de lives. Ah ouais, je crois que j'en ai entendu parler de... Il y en a un qui est effectivement très, très actif dans ce milieu-là, ouais. Il est où? Il faut que j'aille appuyer avec mon plioir en os sur ma... sur mon accordéon, là. Je veux que ce soit propre et net. Jolie finition. Alors, ici, ça a quand même un petit défaut. Je vais enlever l'autofocus. Je le passe en auto. Je vais montrer de près si j'y arrive. Voilà, on voit ces vilaines marques là, parce que forcément l'accordéon il arrive comme ça. Et j'ai voulu le cacher sur mon prototype. Je n'ai suivi aucun tuto, donc je l'ai fait à l'arrache. Ah, là c'est flou. Voilà. Et du coup, en fait,
quand j'ai fait mon tuto de base là, je me suis dit, oh c'est facile, ça fait x centimètres machin, donc je fais des bandes de 2 cm fois x qui était ma largeur. Sauf que quand on monte l'accordéon, y a toujours un tout petit décalage au montage. Donc le mieux c'est de reprendre la mesure manuellement en fonction du montage qu'on a réussi à faire, parce que là on est d'accord, j'ai mis 10. Mais si je regarde un petit peu plus large, je suis plutôt à 10,2. Et forcément, 2 mm en plus d'un côté, plus 2 mm dans l'autre, ça fait un écart. Donc, à moins qu'on ait envie de garder ce blanc-là. Alors, ma fille dit qu'elle aime beaucoup, elle préfère garder le blanc, à faire de goût. Moi, je vais essayer de tout masquer. Donc, je vais faire 10,2. Je vérifie que ça fait pareil. Ouais, c'est ça. Ça rajoute 1 mm de chaque côté. Pardon. Ouh, le vilain chat. Et je vais faire 4 bandes de 10,2 par 2. Ouais, il faut calculer. Non, c'est pas vraiment du calcul, c'est de la mesure. C'est pas du calcul. Tu regardes si ça t'a rajouté 1 ou 2 mm en plus pour que ce soit joli, quoi. Il faut vraiment que ça arrive. Ouh, pardon pour les bruits. Il faut vraiment que ça arrive au bord, même là. Ouais. 10,2 x 2. Qu'est-ce que je fais là? J'ai combien? Oh, c'est dommage, je pourrais en faire qu'un là-dedans. Oh, c'est con. Je vais la garder plutôt celle-ci. Là, je vais tailler à 2 dans celle-là. Je fais 10,2. Ah, punaise. Pourquoi des bandes? Oh, t'as envie de t'embêter à faire un rectangle et à les vider? Tu peux t'amuser à faire un... Enfin, un rectangle, du coup, c'est un carré, je suis bête. Ouais, tu peux t'amuser à faire un carré et après découper l'intérieur. C'est comme tu le sens. Moi, j'ai pas de dice de la bonne taille. Oh, quoique. Viens voir mes formes à la mode. Si ça se trouve, ça colle bien. Ouais, c'est un peu plus petit. Eh, mais c'est pas vilain. Merci, Myriam. Donc, si je fais un carré de 10,2... Oh, c'est con, maintenant j'ai taillé dans mon papier, mais il n'était pas la bonne taille, je crois. Bon, de toute façon, c'était pas la bonne taille. Si je fais un carré de 10,2 et après je coupe ça, ça va rogner un petit peu le milieu, mais c'est pas gênant. Faut crier pour se faire entendre. J'avais pas vu les messages au-dessus. Bouh, bouh. J'ai lu Vanny qui disait il faut calculer, et j'avais pas fait gaffe, pas forcément en bande, mais un carré découpé. Oui, madame, tu peux. Et c'est même carrément mieux. En fait, ça n'allait pas avec mon rectangle. Forcément, j'avais pas de matrice de coupe rectangle pour mon livre d'origine. Mais là, c'est un carré. J'ai ce qu'il faut. Elle est bonne. Allez, je fais un carré de 10,2 par 10,2. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez. Je dois reprendre une autre chute de papier. Oui, tout à fait. C'est forme à la mode. Elles sont un peu cachées dans le catalogue. Mais tu les retrouves à la fin dans le récapitulatif des matrices de coupe. C'est pas en lot. Elles sont vendues en solo, en fait. Il n'y a pas de set de tampons qui va avec. Attends, c'est quoi ? Je profite qu'on est ici tranquillou. Et je vais aller regarder à la fin du catalogue. Où est-ce qu'elle se cache ? Là, forme à la mode. Non, c'est pas en lot. Par contre, tu peux découvrir l'illustration en page 50. Mais pas de tampons.
Allez, 10,2, je vais y arriver. F, oui, en fait, ouais, c'est les découpes avec les surpiqûres intérieures et extérieures. Alors ça va pas passer dans ma mini machine de découpe et de gaufrage. Il va falloir que je sorte Big Mama. Ça, c'était pas prévu. Et elle est là-bas. J'arrive. Du Bouddha. Voilà. On sort la bête. Puis là, il va falloir que je centre. Faut que je centre bien. On est bien là? On est bien. Il va falloir bien positionner. Ouais. Grosse pression. Pas vraiment. Ah super, moi aussi je vais la commander, la plaque magnétique, ouais. Je suis une warrior, je prends des gros risques en fait, ça se trouve ça va pas aller du tout. Mais après, on a vu hein, que le carré final il est un tout petit peu plus petit que l'intérieur de mon livre. Du coup, il est fort probable que ce soit pas super gênant au millimètre quoi. Voilà, et là, ça me fait un joli carré que je vais pouvoir utiliser ailleurs. Hop, on croise les doigts. Allez, nickel. Merci Mimi. C'est parfait. Oh, il va falloir que j'ajoute de la déco, hein. Ça fait un petit peu vide. Ou alors j'aurais dû prendre du papier motif. Allez, go. Ah, ça rend bien. Non, mais franchement, dans ma tête, vraiment, c'était pas possible à le faire parce que mon fichu modèle est rectangulaire. Ça pouvait pas. Dans ma tête, ça pouvait pas. C'était rectangulaire, j'avais pas de poinçon. Mais voilà. Maintenant, c'est beau et propre. Je te remercie. Comme quoi, à plusieurs, on est toujours meilleur. La classe à Dallas. Hey. Ah bon, on va tous la voir, la plaque magnétique. Ouais, je pense qu'elle est, elle est top. Tu l'as commandée il y a longtemps, Myriam? Tu vas la tester avant nous? Hop. Là, j'hésite sur la déco à l'intérieur. Je pense que ça va être quelque chose que je ferai à la demande du destinataire. Bien, je vais rajouter un ruban sur l'extérieur. Ah ouais, ok. Ok, dans le kit. Je l'ai pris dans le kit de démarrage. Je vais regarder la longueur qu'il me faut. Hop, je vais couper là. Alors, le ruban, j'aurais pu le coller en dessous de mon papier motif. Mais là, je vais rajouter encore de la déco devant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un bout de scotch ici. Je sens mon scotch double face. Mardi, tu reçois la classe. Tu nous feras un retour. Hop. Et au dos. Oh purée, je tremble. Eh ben pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas en live? Nickel, très bonne idée. Excellent.
Je vote pour. On va devenir des Twitch addicts. Mais non, c'est pas une blague! Je trouve que c'est une super idée. Allez, je vais juste nouer ça. Ah, il y a un visionneur secret. Ouais, il y en a peut-être d'autres qui sont passés, repartis. Ouais, je suis d'accord avec Vanille, moi tu l'as dit, il faut assumer maintenant. Bon, alors, je vais peut-être rajouter, ouais du coup on voit moins le jaune, rajouter ça, non, je vais simplement faire comme sur mon origine. Alors, ce que j'ai fait là, moi, pour ma déco, le petit carré, j'ai peur que ça fasse. Je vais plutôt le mettre à l'arrière, le petit carré. À l'arrière de mon livre. Ça, c'est trop petit. Je vais le mettre à l'arrière pour aider au maintien du ruban. Là, sur l'avant, je vais utiliser un apron, parce qu'on est dans le féminin. Et je sais pas si ça vous parle, ces napperons. En fait, ils sont dans le mini qui est en train d'arriver à son terme, hein, qui termine fin juin. Et à partir du 1er juin, c'est en promo. Ce sont ces napperons qu'il y avait dans la collection Porte-Bonheur. Et d'ailleurs, j'en avais offert à mes clientes lorsque j'avais envoyé le mini catalogue. Et j'utilise simplement le verso en blanc, comme ça je peux le mettre à la bonne couleur. Bon, je vais peut-être pas prendre le plus foncé parce qu'on voit quand même un petit peu. Prendre celui-ci. Ouais, voilà. Hop, je prends ça, je prends ma brosse à estompe et puis je vais rajouter un peu de couleur. Qu'est-ce que je fais? Je fais du clair. Non, je vais rester dans mon fleur de cerisier. Voilà. Donc mon encre fleur de cerisier, ma brosse estompe. Et puis je vais rajouter un petit peu de couleur sur mon apron tout autour. Voilà. Oh yeah, il faut que je m'organise. Hein. Je vais une fois d'un côté, une fois de l'autre. En fait, je suis toute perturbée. Là, j'ai changé toute la config de mon bureau. Les choses sont plus au même endroit. Et puis d'un côté, de l'autre, et puis je sais plus. Hop. On nettoie le plan de travail. Voilà, ça va aller ici et je vais le coller à plat. Il est assez fin, j'ai peur que si je mets de la colle liquide, ça gondole. Non, ça devrait le faire. Allez, go. Mettre un petit peu. Sur les pointes et comme ça. Voilà. Je vais poser un bloc le temps que ça colle bien, que je m'en quitte pas à le tenir. Et puis je vais faire mon message. Je vais faire la même chose qu'hier pour mon message. Oh, c'est original. Je prends une chute de papier blanc. Je prends. Ils sont où les poinçons? Ils sont là. Je reprends un poinçon des formes à la mode. Je reprends du coup celle-ci. Donc la grande en queue de poisson là. Et puis je vais tamponner mon message. Et celle-ci, je mets
Tout plein de merci pour tout. Hier, j'avais mis tu es merveilleuse en tout point. Parfait. Allez, tu es... Non, tout plein de merci pour tout. Et c'est celui-ci. Là, par contre, je mettrais bien une autre couleur. Je vais chercher le grappe gourmande. Grappe gourmande. Hop. Voilà. Ah, ça va bien péter, là. Oh purée, j'ai eu une promotion sur les hops. Et on va passer ça dans la machine et je vais pas ressortir la grosse. Je vais y aller avec ma petite machine. Hop hop hop. Yo ho, plat hein. Comment on dit ici? Allez. Ouais, c'est bien en couleur violet. Hein. Le grappe gourmande, il est beau. Il est beau, mon grappe gourmande, il est beau. Qui fait du karcher. Bon, j'espère que ça s'entend pas trop. Voilà, alors ça je vais le mettre en 3 dimensions. Ouais, ça le fait. Super, super. Hey, c'est fou, c'est instantané le chat, j'adore. Je suis fan les filles, je suis fan. Faut que tout le monde revienne ici. Allez, je vais en mettre 3 là, des Stampin' Dimensionals. Ouais. Ah ouais, pour vous aussi. Ben tu vois. Ça rend quand même les choses plus agréables. Oui, forcément. Moi, en fait, je lis le chat à l'envers. Donc, je vois que tu utilises les mêmes vocabulaires que moi quelques mots avant. Voilà, et puis comme hier, je vais récupérer mes découpes de roses que j'avais préparées à l'avance. Je vais faire un petit peu de ménage là. Voilà, que ce soit pas vilain à l'écran. Voilà, je vais récupérer mes roses et je vais mettre un branchage ou deux. Petite feuille comme ça hein, qui est déjà découpée avec mes poinçons, je sais plus comment ils s'appellent, les poinçons à roseraie du bonheur, bonheur en éclosion. Quoi Gaëlle, tu connais pas par cœur? Je mets peut-être un deuxième feuillage. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ah bah voilà. Zou. Celui-ci, je vais mettre en 3D et celle-ci, je vais la coller à plat. Ça, ça fait encore plus d'impression relief. Alors, pour celle-ci, je vais prendre un mini Stampin' Dimensional. La taille en dessous. Comme ça, je peux en mettre un presque au bout et puis un autre ici. Ah, ah. Électrostatique. Je glisse ça un petit peu en dessous et un petit peu au-dessus. Et voilà. J'ai fini. Oh purée, 1 heure. Ça fait 1 heure que je bavasse. Alors que j'ai même pas fait de technique de fond et tout et tout.
Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Ça fait un bel ensemble, hein. Enfin, oh, je me lance des fleurs, tu sais. Ouais, on a des fleurs. Voilà mon livre. Ah, je vais coller ça au dos, vite fait. Hop, pour maintenir, maintenir mon ruban. Hop. Merci, ça fait plaisir. C'est sympa. Comme ça, ça va l'appuyer. Merci, merci. C'est cool. Voilà, en tout cas, moi, je me suis éclatée à faire ce kit-là, ce kit cadeau, cadeau maîtresse. Et franchement, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu une commande pour cette fin d'année scolaire, parce que j'étais partie à fond dans la carterie. Je faisais des cartes à gogo et... j'en ai oublié le fait que ben dans le scrap, moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir toucher à plusieurs choses. Et en l'occurrence, pouvoir faire des cadeaux. Donc, y a des chances que je ne fasse pas que de la carterie, que je fasse aussi de temps en temps des vidéos, même pourquoi pas des mini-mini-albums ou des choses comme ça. Je vais toucher un petit peu à tout. Et puis il y en aura pour tous les goûts comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Et sinon, bah, je vais profiter que je suis sur Twitch pour de temps en temps faire des streams détente. Dans le sens où bah, je lancerai la vidéo. Je papoterai avec vous dans les commentaires. Mais j'en profiterai pour faire des séances, pas forcément tuto, mais des séances où je fais du coloriage ou des choses comme ça. Que j'affectionne aussi. Et puis pour avoir d'autres personnes à mes côtés. Tu feras aussi un tuto pour un album pour mettre les ATC. Ouais, j'y ai pensé. Ou pour mettre les dies qu'on a en vrac. Alors, les dies qu'on a en vrac, moi, j'utilise mes pochettes plastiques. Je sais, c'est du plastique, c'est pas bien. Oh, les tortues. Mais l'album ATC, ouais, j'y pense. Il faut juste que je réfléchisse parce qu'il faut que je prenne en compte que certains les envoient avec des pochettes plastiques. Mais ouais, je ferai un album ATC. Très bonne idée. Ouais. Ouais, je suis pas fan des albums à pagémenter pour les dies. Honnêtement, quand je vois dans ma pochette là. Que, ben, alors ça reste un aimant, mais de temps en temps il y en a un qui se décolle, qui glisse dans le fond, etc. En faire un album sans que ce soit chaque collection enfermée dans sa pochette, je suis pas convaincue. J'aurais peur que les dies se fassent la malle et qu'ils se mélangent. Si c'est pas Stampin' Up, chut. Ouais, je vais voir. Excellent. Je vais y réfléchir. Tu sors. Non, sors pas, reste, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ok, ben écoutez, merci en tout cas les filles de m'avoir suivi ici. Enfin les filles, parce que là, vous êtes que les filles sur le chat. Merci à ceux qui ont regardé également en étant discret. J'espère que ça vous plaît, que ça vous interpelle. J'espère aussi que ça motivera aussi tous les cats, la tribu des cats, à venir nous rejoindre ici, parce que franchement, moi j'apprécie, je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis je vous donne rendez-vous déjà lundi soir pour le live, cette fois sur Facebook, le live promotion, pour faire le tour du mini-catalogue. Et à partir de mardi soir, je vais reprendre le rythme de mes tutos du mardi soir de manière habituelle. Voilà, et ce sera probablement ici pour être à l'aise.
Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous découvrez la chaîne, à venir papoter avec moi, me poser des questions sur l'activité, sur les ateliers. Je serai ravie de vous guider. Je vous dis à la prochaine. Bon scrap. Bisous, bisous.